dans l'idée de partir du territoire, intéressant de partir du cochon. C'est un animal hyper symbolique. De, à la fois, c'est une forme de richesse parce que c'est la richesse qui nourrit. Et en même temps, dans l'autre versant, tu as la forme plus immatérielle de la richesse. Enfin, ce qui a participé à leur possibilité d'aller coloniser tout le monde et d'aller massacrer tout le monde, c'est d'avoir des cochons pour nourrir en fait, tous les soldats. Le cochon a un peu servi de matière première aux colons, quoi. Je suis Camille Zéhen et je suis artiste en résidence à la Casa de Velázquez en vidéo-film. Et je pense que pour me présenter, je peux dire que mon travail s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche-création. Ça me paraît important de raconter le livre que j'ai coécrit avec Emmanuel Fantin qui s'appelle « Le livre dont Jean Baudrillard est le héros » et qui est une fiction interactive. Donc on peut cheminer dans la vie de Baudrillard avec un nombre d'entrées en arborescence et qui est pour moi une manière de prendre en charge cette pensée à la fois ésotérique, ironique et sémiologique et qui, je crois, irrigue principalement l'ensemble de mon travail et des démarches que je fais dans les réalisations de mes films, qui sont de différentes natures. Sont plutôt tous des documentaires et des essais, mais une partie est faite réalisée en found footage, c'est-à-dire avec des images préexistantes, et une autre partie est réalisée en prise de vue réelle. Prennent en charge des sujets aussi variés que les smart cities, un bar de nuit en Corse, la naissance du désir lesbien en analogie avec la Dama de Elche. Et mon projet pour cette année, ce serait un documentaire essai qui s'intitule provisoirement Ultra Plus, au-delà de plus, et qui part du territoire de Cáceres en Extrémadure et du projet de mine de lithium qui va être là-bas. Prévisionnellement en 2027. Pour ça, et comme l'Extrémadure est la terre de naissance des conquistadors, c'est pour moi l'occasion d'interroger en fait qu'est-ce que c'est que la globalisation du capitalisme, la colonisation en général et le principe d'extractivisme et de colonisation comme un mouvement répétitif, perpétuel, croisé avec l'abondance, la cupidité, l'enrichissement, les structures de conquête. Et là, en ce moment, j'essaye de vraiment écrire le film et de trouver un peu le dispositif pour essayer de mettre en rapport l'ensemble de ces savoirs. Et je crois que dans ce film, il y a pour moi vraiment la volonté d'essayer de rendre compte de l'ensemble de ces connaissances sur comment en fait, ces dispositifs de colonialité sont mis en place durant 5 siècles à partir du territoire d'Extrémadure.